Rambam, dans chapitre 3 d'Hilchot Teshuva, alinéa 4, écrit que bien que la Tkiyat Shofar, le Shofar Rosh Hashanah, c'est Gzerat HaKatuv, c'est un décret de l'écrit, la Torah ne donne pas les raisons aux mitzvot, néanmoins il dit qu'il y a un signe là-dedans. Lequel ? Uru Yishanim Mishenatrem. Pour nous dire, réveillez-vous, réveillez-vous, endormis de votre sommeil, Vakitsu Nirvamim Mitardematrem, et réveillez-vous, somnolent de votre somnolence, Vechepsu Bemaasechem, et cherchez vos actions, vérifiez vos actions, Vechizru Betchuba, faites Tchuba, repentissez-vous, Vezichru Borachem, et souvenez-vous de votre Créateur. Eloa Shochachim et Ahmed Bevle Azman, ceux qui oublient la vérité dans les futilités du temps, Vechogim Kosh Natan Bevel Varik, et toute l'année ils pensent à des futilités et du vide, Asher Lo Yo'il Velo Yatsil, qui ne peut pas aider ni sauver. Habitu Nafshotechem, regardez vos âmes, Vetivu Darkechem, Umar Alechem, et améliorez vos voies et vos actions, Veazov Kalechad Mekem Darko Ara'a, et que chacun de vous quitte sa mauvaise voie, Marshavto Asher Lotova, et sa pensée qui n'est pas bonne. C'est ça à quoi il faut penser quand on a le chauffard. Faire tchouva, regretter les péchés, regarder nos âmes, regarder comment toute l'année on a été dans les bêtises, et se rapprocher de notre Créateur.